Hey, salut tout le monde, c'est Xuki, on se retrouve avec notre Pikachu sur l'épaule, notre Pharao sur l'épaule. C'est pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 1. La dernière fois, on avait terminé le scénario avec Alexia, en tout cas on avait fait la partie 3 avec elle. Pas dans sa totalité, mais la plupart. Et aujourd'hui, on va avoir de nouveaux partenaires. J'étais en train de descendre les escaliers avec Pharao sur mon épaule, quoi. Bon, maintenant, ça ne marche plus. Donc déjà, on va ouvrir quelques boosters. Et je compte, maintenant que j'ai Pharao avec moi, je compte avoir Banner en partenaire. Je vais essayer d'avoir le Parieur. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est machin. Deux autres personnages. On va essayer de faire ça, au minimum, voilà. Alors, parlez avec Madame Thérèse. Ah, tu es nouveau. Ah oui, puisque j'ai encore relancé le jeu, hein, à chaque fois c'est ça. Du coup, j'ai de nouveaux boosters. J'ai le magicien puissant et le de bon vieux temps, ainsi que le pouvoir de Princeton. D'ailleurs, hey, les gars, je ne sais pas, il y en a qui m'ont dit, fais L avec, quand tu es sur un booster. Mais genre, ça ne marche pas, hein. Genre, je sais pas... Non. Il y en a qui m'ont dit, fais L quand t'es sur un booster, ça ouvre une box instant. Ça ne marche pas. Peut-être que c'est ce qui marche sur les autres Tag Force. Je ne sais pas, mais pour moi, sur Tag Force 1, ça ne marche pas. Bon vieux temps, on va juste en acheter 5. Ça coûte 300 et dedans c'est que des cartes interdites ou limitées. Donc on va prendre ça. Non, je crois que c'est que des cartes interdites et les 5 parties d'Exodia. Ça doit être un truc du genre plutôt. Bon, du coup on avance ça. Et du coup on va avoir pas mal de support pour les magiciens. D'ailleurs j'ai toujours pas fait mon deck démon. Les magiciens et les dragons. Donc ça va être intéressant. Et éventuellement Exodia, si on peut faire un deck Exodia, ça pourrait être drôle. Alors, ouvrir plus rapidement. Donc, on a, voilà, pas mal de supports magiciens. Bon, rien de bien intéressant si je veux faire un deck magicien ici. On peut faire un deck protecteur du tombeau, là. D'ailleurs, il y a un personnage qui utilise les protecteurs du tombeau, ça peut être intéressant. Bon, après, c'est pas les meilleurs, ceux qui sont actuellement sur le jeu, quoi. Ils sont pas vraiment ouf. Sorcier du chaos, très bonne carte. Très bonne carte. Ok, un lancier, bon, ouais. Éventuellement... Sacrifice royal. Genre tous les... Ah, vassal pour farmer. Magicien sans produit du chaos, ça c'est bien. Ça c'est intéressant. Ouais, tous les monstres protecteurs du tombeau qu'on a depuis le début, ils sont nuls. Il me semble qu'à déjà à cette époque-là, c'était genre nul. Dimension magique, très bonne carte. C'est très 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 bien ça. Valet mortuaire, si on peut en avoir 3 pour notre deck protecteur du tombeau, ça peut être intéressant. Un chat de mauvais augure, hein, hibou. Ok, mon dragon. Oh, bah, par contre, le chat de mauvais augure, on l'a, hein, quoi. Ça, ils veulent nous le mettre, quoi. Dernier jour de la sorcière. Valkyrie du magicien, très bonne carte dans les decks magiciens. Très bonne carte, il m'en faudrait 3. Tiens, on a eu un Cerbère. Magicien sombre expérimenté, oui. Pourquoi pas. Why not, décret royal. Bon, par contre, les decks... Ah oui, d'accord. Ah non, c'est des cartes absolument useless. Appel de la tombe, aile de griffon, grande mode ultime... Regeki. Bon, bien sûr qu'on ne peut pas activer, qu'on ne peut pas utiliser. Ouh, on a Metalmorph, Sangha du tonnerre. Oh non, c'est un petit mélange de pas mal de choses. Bras droit de l'interdit. Ouais, je ne sais pas. Oh, on peut pas l'utiliser, elle est interdite. Elle est interdite, je me suis hypé pour rien. Zoa, ordre impérial, waouh. Alors, des dragons normaux nuls. Tout ça, non, c'est que des monstres normaux nuls en vrai. Ah, gadget jaune. Ouais, gadget jaune, intéressant. Peut-être. Souffle du feu de l'enfer. Par contre, les communes sont absolument atroces, hein. Genre les rares, super rares, etc. Ça peut être pas mal. Dragon étincelant. Très bonne carte, ça, c'est ce que je voulais. Mais genre, les monstres normaux, là, ils sont nuls. Deuxième, nice. Il nous en faut 3.
Attaque de magie noire, ouais. Ouais. Sayaru. Chevalier Mirage. Chevalier Mirage. Non, pas de deck Chevalier Mirage. Yamadoro. Gadget vert, ok, on a un gadget jaune, vert. Il manque le rouge. Fortin, nice. Pour notre deck Uria, Fortin est pas mal. Déchaînement. Oh, troisième dragon étincelant. Ça, c'est bien, ça. Pour notre deck dragon, miroir du dragon et tout. C'est plutôt pas mal. Dragon étincelant numéro 2, bon, c'est moins bien. Seigneur des dés. Ouais. Ouais, seigneur des dés. Je sais pas s'il y a le dragon noir aux yeux rouges dans ce booster. Ce serait intéressant, puisque j'aimerais bien faire un deck dragon noir aux yeux rouges. Je sais qu'il est disponible dans le premier booster du jeu. Mais sauf que le premier booster du jeu, genre, il y a tellement de cartes, j'ai réussi à avoir un dragon noir aux yeux rouges, mais aucun autre. Alors, ça c'est ban, c'est bien dommage, ça c'est limité à 1, ça c'est ban. Ouais, on a l'aile de griffon, on va pouvoir l'activer. Genre, lorsque l'adversaire active Plumeau de Damarpi, détruisez toutes les cartes magie et pièges sur son terrain à la place de celle de votre terre. Mais bon, pour le placer, Serpent Sinistre très très fort aussi, Metalmorph, bon. Ok. Bon, du coup, 87, on est à 38. Allez, on va ouvrir 5 boosters de celui-ci. Allez, on va en ouvrir 5 derniers. 5 derniers, puisque je vois qu'il y a des cartes... Il y a quand même des cartes, genre, pas... Ça va. Mais j'aimerais bien... Pas Regeki. On a eu anti-Regeki et Regeki dans le même booster. J'aimerais bien les parties d'Exodia. Et pas en double, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Fiber Jar, pas mal, oui. Sorcière de la forêt noire, oh là, une carte interdite. Bon, du coup, mais il nous reste quoi comme booster ici? Il nous reste quelques boosters encore. On va essayer de tout compléter, hein. On va essayer de tout compléter. Du coup, ce que je voulais faire, on peut aller voir Banner, mais avant, il y a un joueur ici. Il y a un mec ici. Menu deck, je vais d'abord vous montrer le deck que j'utilise aujourd'hui, qui est le deck rouage ancien, vite fait. Genre, j'ai mis que les rouages anciens qui valent le coup. C'est-à-dire ceux à sacrifice plus le... Oh, pas filtré. Qu'est-ce que je fais? Trier par cadre de la carte, là. J'ai juste mis les golems rouages anciens, j'en ai que deux. J'arrive pas à avoir le troisième et les bêtes rouages anciens. Et je mets ça avec le château rouage ancien qui est plutôt pas mal. Et après on est sur un deck plutôt normal. Hein. Je vais pas dans les détails des cartes, genre c'est totalement basique. C'est totalement basique. Puisque les autres monstres rouage ancien, je veux dire, à part en avoir un qui se sacrifie pour infliger 500, on a un autre qui... Je sais même plus ce qu'il fait. Non bon, c'est pas ouf tout ça. Alors du coup, Mokuma. Ce n'est pas Monokuma, ce n'est pas Mokuba, c'est Mokuma. Et du coup, on va lui parler. Je suis Mokuma, je suis la mascotte de la Kaiba Corporation. Tu connais Sanzuda Yuki? C'est un vrai bêcheur, j'aimerais bien lui donner une leçon. Tu voudrais être mon garde du corps? Donc en fait, il y a, je crois, 5 personnages qui sont un petit peu des parodies de d'autres personnages. Je crois que... Il y a ça dans tous les Tag Force, en fait. Il y a quelques personnages, des parodies. Même dans les Tag Force 5D, genre, il y a des Jack Atlas, des Yusei absolument atroces. Bon, on peut être partenaire avec lui. Super, viens avec moi. Oh, et du coup, ils sont... C'est quoi? Sanzuda Yuki, on va mettre les choses au point une bonne fois pour toutes aujourd'hui. On va se battre en équipe. Les perdants devront quitter l'île. Mon équipe est prête, et la tienne? Alex et moi sommes prêts. Parfait, c'est parti, que le duel commence. Quoi? Ça va être un duel en tag? Oh mon dieu. Sanzuda Yuki. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'ai-je fait? Tag duel. Et il est avec Zenjo. Affreux deck de pierre, juste. Oh mon dieu, c'est quoi ce deck? Il a un deck démon. Ok. Boganian. Et boum, tu as détruit la gerbe géante qui permet
d'invoquer deux autres gerbes géantes et en plus tu prends 500. Frontière des dés. Lorsqu'il n'y a pas de magie dans votre cimetière, aucun joueur ne peut mener sa battle phase. Really? Qu'est-ce qu'on a là? Offrande suprême. Attendez, on va faire ça. On va retourner son monstre dans sa main. On va piocher deux cartes. Ouais, on va essayer d'optimiser tout ça. En période imposée au fait de la phase normale d'un monstre supplémentaire, vous ne pouvez activer cet effet que durant votre main phase ou la battle phase de votre adversaire. Votre main phase ou la battle phase adverse. Par contre... Non, je peux pas plus opti ça. Je vais faire offrande suprême. Utiliser l'effet maintenant, oui. Je vais sacrifier 500, je vais invoquer lui. Invoquer. Et ensuite, on va faire violent orage, on va tout détruire. Tout détruire! Oh merde! Oh, il avait des cartes tellement chiantes! Filet gravitationnel et jugement solennel. Ok, c'était bien joué ça. On va d'abord faire le château rouage ancien. Et on va invoquer le chasseur mécanique. Comme ça, ça fait un token sur le château rouage ancien. Et en vrai, alors, là on fait combien? 3700. On peut gagner. 3700 x 2, 7400, on gagne. Oui. On va activer ça. Et voilà, on a gagné tour 3. On a gagné tour 3. Boum, chasseur mécanique. En tout cas, voilà, Senji Udai, Yuki et Senjome, machin. Ouais, waouh. C'était génial. J'ai adoré vous affronter. Bonus duel. Par contre, j'espère que... Arc zut, il est temps de filer, les gars. Pas de pitié, trop facile, bande de nigo. Parfait, maintenant, en route pour le tournoi Attack Force, pour la gloire d'Umiyama Corp. Ouais, génial, Umiyama Corp va faire un carton Attack Force. Umiyama Corp est bien prête pour le Attack Force. Par contre, j'ai mal... Oh non, du coup, je vais perdre Pharao. Non, je vais pas pouvoir avoir Banner en partenaire. Non! Non, j'ai plus... Oh. Pour avoir Banner en partenaire, il faut avoir... faut avoir Pharao. Et il est où, ce chat? Il est où, ce putain de chat? Oh. Il a disparu. Bon. Du coup, on peut aller ici. On a un autre dueliste à avoir en partenaire. Il devrait être par là. Il est là? Non. Il est là. Le joueur. Joueur, parlez. C'est bien l'île au trésor. Demande de partenariat. Quoi, tu veux être mon partenaire? Tu as du cran. Eh bien, voyons un peu ce dont tu es capable. On tire à pile ou face pour voir si je serai ton partenaire. Et voilà. Alors, pile ou face? Pile! Et c'est... Oups, dommage! Bon, eh bien, je ne peux pas être ton partenaire. Et donc, en gros, c'est juste ça. C'est bien une demande de partenariat. On peut tirer... Ah, on peut tirer qu'à pile ou face qu'une fois par jour. Bah, c'est bien nul de jouer à pile ou face en un jour comme ça, là. Bon, du coup... Que peut-on faire? Que peut-on faire? On va attendre la nuit. On va attendre la nuit. Je sais plus à quels horaires ils apparaissent, les cavaliers de l'ombre. Attendez, je regarde vite fait. Ah, c'est où? C'est où? C'est là. À partir de 10h. 10h de l'après-midi. Enfin, 10h du soir, je veux dire. Donc, on va avancer dans le temps. On va avancer dans le temps, voilà. Passer le temps. Heure précise. Fin de journée, heure précise. Et du coup, qui on n'a pas eu en partenaire? Pour l'instant, dans... Ah mince, j'ai mis 10 heures. Passer le temps. Heure précise. J'ai mis vraiment 10 heures, 10 heures. Quoi. 22 heures. Voilà. Du coup, qui on n'a pas encore en partenaire? Liste des duellistes. Liste des duellistes. Alors, on n'a pas encore Abydos, on n'a pas encore Titan, on n'a pas encore Kagemaru, on n'a pas encore Blair.
Fonda, pas encore joueur non plus. Yasmine, c'est... On va d'abord faire Abydos. On va faire Abydos. Et Abydos, lui, il se trouve... Il se trouve ici, porte principale. De souvenir, c'est ça. De souvenir, il est là. Il est là. Alors, Abydos, on va te parler. Alors, voilà l'Académie des Duels. Demande de partenariat. Tu veux être mon partenaire? Ton désir de me servir est-il aussi fort? Très bien, mais d'abord, il faut que tu me montres comment tu te bats en duel. Si tu réussis à me battre, tu pourras être mon serviteur. Ah, mais qu'ils sont gentils, j'adore! Ah, il faut prouver ma force pour être mon être serviteur de Abydos 3. Premier jouet. Ils sont quand même bizarres, c'est tous ces personnages-là. Genre, quand on veut être partenaire avec eux, c'est pour être leur esclave. Je veux dire, comment... Quoi, voilà. Sacré deck roi ancien, en tout cas. Marauder Vorse. Enphase. Bon, c'est un deck semi-machine, parce que bon, on a des cartes juste à 1900 points d'attaque. Hop, et un monstre et une carte face cachée. Nice. Ok, château rouage ancien. Au prochain tour, on pourra mettre la bait. La bait rouage ancien. On met le chevalier insecte. Boum. Un jeton. Un compteur. Sur ça. Et on attaque le protecteur pharaonique. Abydos 3, par contre, je pense que je vais pas être ton partenaire. Hein. T'as un deck absolument atroce. Hein. Il est tellement nul. Genre... Non, la stratégie est pas ouf dans son deck. Ok. Et deuxième. Est-ce que... On va grid. J'ai envie de tenter le golem rouage ancien, quoi. Tortue pyramide. Aha. Ryokoki. Momie à la hache géante. Oh. Ouais. Elphase. Ouais, bon. Ouais. Et Momie. Il a 2000 points de défense pour aller le chercher, il me faut juste le golem. Il me faut simplement un golem. Invoqué. Je vais y insérer. Est-ce qu'il a un effet flip? Je suis pas sûr. La momie, là. Oh, poissonneur d'esprit. C'est chiant ce que tu fais, hein. C'est un peu chiant ce que tu fais. Typhon d'espace mystique. Trou noir. Vas-y, il y a trop de cartes qui me bloquent. Il y avait quoi là-dedans? Oh, une autre tortue pyramide. Chasseur mécanique. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop besoin de la bête rouage ancien, en vrai. Je vais garder le château au cas où pour retourner une situation. Pour l'instant, ça, c'est pas trop dégueu. Et au prochain tour, je pourrais l'invoquer par sacrifice. Et elle aura 2300. Hommage au dernier. Oh, mais sérieusement. Oh merde, serviteur du pharaon. Qui va pouvoir me faire 900 points de dégâts. Bon, je vais quand même pas activer ça pour 900 points. Une courante. Et ben, on va l'invoquer. Sacrifier le château pour l'invoquer. Et ensuite, on va poser la ruine courante. Et on va battle phase. Voilà. On va lui faire 1100 de dégâts. Nah. Et on va une phase. J'ai pas cette carte, enfin, je crois que j'ai mis toutes mes cartes de pioche, hein, je me souviens plus, j'ai mis un pot de cupidité et deux machins. Comment ça s'appelle? Deux gobelins parvenus. Oh, nice! Je passe au-dessus, nice. Et du coup, ça pourrait m'aider à avoir mes châteaux et mes golems, hein, quoi, mes goulems. Mais bon, avec 40 cartes, c'est beaucoup. Beaucoup, c'est pas facile à avoir les bonnes combos. Ouais, il faut vraiment le troisième golem rouage ancien. Faudrait que j'essaie de le choper. Cyber Dragon. Hop, on l'attaque encore avec la bête rouage ancien. Détruire son. Un autre serviteur du pharaon. Oh, tortue pyramide. Tu vas invoquer l'autre. Ah, bah oui, j'annule les effets avec le chien. La bait rouage ancien. Appelle le 30. Tu vas encore appeler ta momie là. Mais elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien dans ce duel nul. Un autre château. Et ben voilà. Un autre château, il passe à 2600, mon monstre.
Alors? Alors? Et du coup, il a combien de compteurs, lui? Ah, il est toujours à zéro. Les deux sont toujours à zéro, même si je pioche mon golem au prochain tour. Genre, il ne sert à rien. Parce que même moi, je n'invoque même pas de monstre. Il faut invoquer normalement le livre de la lune. Non mais, oh, mais il me saoule avec sa momie. Il arrête pas de la réinvoquer. Heureusement que le moissonneur d'esprit, genre, c'est un monstre démon. Je crois. Sinon, s'il l'avait rappelé, ça aurait été assez insane. On va poser ça. Et voilà, les compteurs qui commencent à popper sur mes châteaux. La B3, j'en suis détruit. Le monstre adverse, encore une fois. Ensuite, elle phase. Et t'as toujours pas de monstre. Et gobelin parvenu. J'ai toutes mes cartes de pioche là instantanément. Limiter removal. Alors que je pouvais gagner. Oh, les cyber dragons. On envoie ça au cimetière. Cyber dragon. Du coup, on a deux compteurs partout. Et tiens. Par contre, typhon d'espace mystique. On essaie d'assurer la victoire. On détruit ça. Nice. Bon, genre, ça le sauvait pas du tout. Et de toute façon, la bête rouage ancien. Empêcher l'activation des cartes magie piège de l'adversaire. Et on attaque avec le super dragon pour terminer. Tu as gagné. Incroyable. Incroyable. Touche suivant. Alors, pas mal. Très bien. À partir de maintenant, tu es mon serviteur. Travaille dur et ne me laisse pas tomber. Et du coup, qui nous manque-t-il? Qui nous manque-t-il? Tiens, je regarde. Titan. Titan, il apparaît où? Il apparaît là-bas. Ok. Bon, on va prendre Titan. On va aller chercher Titan en partenaire. Comme ça, on aura quasi tous les cavaliers de l'ombre, en vrai. Ils ont dit le port. Ils ont dit le port. Attendez. C'est écrit. C'est écrit. Titan. Après 10 heures. Genre. Mais je pense que c'est à cause d'Alexia et de machin. Et de Zayn. Ils sont chiants. Sinon, où est-ce qu'on pourrait. Il y en a un autre ici. Mais à mon avis, il va être un petit peu trop fort pour que je l'affronte. Mais bon. Et oui, il est là. Kogemaru. Oh, il n'utilise pas le même deck. Et bon, on va lui parler. Feu, suffit de te regarder pour comprendre. Tu n'es qu'un bon à rien. Ah oui, d'accord, je croyais que tu étais devenu gentil. Bon, on va te faire une demande de partenariat. Ah, tu veux être mon partenaire? Alors battons-nous en duel. Je n'aime pas les faibles. Et moi, j'aime pas trop être partenaire avec des hommes absolument trop musclés et qui se baladent torse nu avec comme s'ils étaient Tarzan. C'est comme s'ils étaient torse nu avec juste un petit truc au niveau de la taille, quoi. Pulsation des fantasmes. Ah, ça colle avec son physique. Ça tombe bien. On va poser ça. On va activer le château rouage ancien. Et on va invoquer Génovirus. Et voilà, un petit compteur. Et on a une phase. Allez, sors-moi tes... C'est pas ce que je voulais que tu sortes. Oh, c'est pas du tout ce que je voulais que tu sortes. Oh mon dieu. Wow. Alors, ça va être vachement compliqué maintenant. Ça va être vachement compliqué. Oh, mec! Son deck est trop atroce. Messager de paix, oui. Ah, Amon. Bah, du coup, là, c'est pas mal. Bon, il me fait masse dégâts sur ce tour-là. Il va me faire masse dégâts, mais on va lui faire un trou noir et tout est détruit. Ah, ça me va. Ok. Cylindre magique. Boum. Boum. Trou noir.
Et voilà, au revoir. Et on a une phase. Ah! Absorption de magie, super. Super, super. Allez, un petit monstre. Ça peut servir. Ça peut servir. Là, s'il invoque un monstre, je mets cylindre magique pour pas trop prendre de dégâts. Bon, on va prendre les 1000. Non, je m'en fous, on va prendre 1000. Osef, alors que si par exemple il invoque une des bêtes sacrées, on pourra lui faire genre 4000 grâce à l'effet de cylindre magique. Allez, on attaque avec le Cyber Dragon. Sengen peut aller tuto Uria ou pas? Je pense qu'il va aller chercher la germe géante. New Doria, ok. New Doria. Ouais, un peu chiant. Il a posé un monstre qui vient de piocher, c'est ça? Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Bête Rouage Ancien. Bête Rouage Ancien, comme ça, on va pouvoir annuler l'effet du monstre détruit. Et comme ça, même si c'est New Doria, germe géante, l'effet va être annulé. Hop. Détruis-moi ça. Détruis-moi ça. Eh oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'étais là. Attends, il peut activer l'effet, il peut activer l'effet. Ah, ah, ah. Quoi? Me serais-je trompé? Oh, New Doria, parce que je... Eh, waouh. Interruption. Non! Non! Oh. Mec, c'est infâme ce que tu me fais, là. Surtout que j'ai plus de château. Oh, mais on est illusion. Oh, New Doria! Oh! On va faire... ruine courante. Les 1000 quand même. Allez, un monstre! Nice! Oh! C'est atroce! Depuis le début, j'ai pas de monstre quoi! Sur 13 cartes, j'en ai pas eu beaucoup. Genre juste des monstres à sacrifice. Et hop, ça, ça dégage. Ouais, mon monstre vient dans ma main. C'est bien, mais tu vas top deck Raviel, tu vas pas pouvoir l'invoquer, voilà. Oh! J'étais chiant! Mais c'est bon, on a le typhon d'espace mystique. On va placer ça. Là, on a de quoi se défendre. On n'a plus que 1100. 1100, mais on peut se défendre. On va détruire ça. Absorption de magie. Oui, oui, c'est ça. Récupère 500. C'est cool. On va mettre le gorille enragé. Et on va taper Battle Pairs. On va taper avec le gorille enragé. Moins 2000. End pause. Éboulement, oui, c'est super. Ça te sera utile. Bon, il récupère 500. Il me bloque deux zones, c'est pas très grave à l'heure actuelle. Château Roi Ancien, ça va être bien là, maintenant qu'on a un golem en main. Oh, et tu récupères encore 500, oui. Et on va lui mettre encore 2000. En vrai, s'il arrive à avoir un Amon, ça peut être tentable ce qu'il fait là. Une carte face cachée, chiant. Chiant, chiant, chiant. Battle phase, on va attaquer. Il va mettre cylindre magique. Ok. 1100, 1300. Oh, messager. Oh, messager de paix. Mais sérieusement. Mais sérieusement. Il a invoqué un Amon. Je vais parler chinois. Bah oui. Bah oui. Je comprends bien ça. Insecte. Chevalier insecte. On a une phase. Bon, du coup, il n'y a plus qu'à attendre qu'il sacrifie 100 points. Jusqu'à qu'il n'ait plus 100 points de vie. Et. New Doria. Canon de. Oh, non. Du but. Non, 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 c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, de toute façon, on a perdu. Bois de Wars. J'attaque. Comment ça, je peux pas. Comment ça, je peux pas attaquer. End phase. Messager de paix, sacrifice.
Non! Oui! Je ne sais pas s'il peut activer le canon ondulatoire avec ça. On récupère 500, c'est ça. Allez, top deck. J'ai pas déjà activé Violent Orage durant ce match? Je crois que si. Je crois que si. Tu passes à 2000. Ah, il peut pas activer l'effet. Vol à l'arraché. Nice. Invoquer. Sacrifier. Ça, ça. Voilà. Et ensuite, vol à l'arraché. Ouais, je peux voler son monstre. Ah bah oui, Typhon. Typhon, c'est intéressant tout ça. Et... Attendez. Ouais, tout ça, ça... Putain, ça lui redonne tellement de points de vie. Hop. Est-ce que j'avais déjà activé le vieux... J'ai pas activé le violent orage. J'ai un violent orage dans mes 19 dernières cartes. Bon, là, il va me battre. Messager de paix. Il sacrifie encore 100. Il active l'effet. Et c'est perdu. Oh, bon, on réessayera une prochaine fois, alors. Mais genre, il est vraiment trop fort. Faudrait que j'utilise un autre deck. Hein, regarde, tu vois bien que tu es un bon à rien. J'ai déjà perdu et en plus il me met encore plus au fond quoi. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve. Ah, Alexia est là maintenant. Comment cela se fait-il? Est-ce que Titan... Ah, Titan est là maintenant. Maintenant que j'ai perdu. Ah, c'est bien. Et voilà, donc du coup on se retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Allez tout le monde.